Bonsoir tout le monde. Alors, déjà, veuillez m'excuser pour ma tenue du dimanche, hein. Mais aujourd'hui, c'est pas une vidéo concernant les chaussures, c'est pas une vidéo présentation, c'est pas new in, pas trucs et astuces, c'est juste moi qui voulais vous parler. Donc tout d'abord, on m'a demandé plusieurs fois à quoi je pourrais ressembler ou si on allait voir ma tête. Bah non, ma tête sera pas visible dans les autres vidéos, mais là, vu que j'ai des choses à vous dire, bah, je vous permets de vous la montrer. Donc voilà, maintenant vous savez à quoi je ressemble. Je sais pas encore si on verra ma tête dans d'autres vidéos, je pense pas, puisque c'est la base de mes vidéos, c'est justement que ça s'arrête à mon buste, pour que vous puissiez vous identifier à moi. C'était pas... Je voulais pas mettre de visage concret sur ma chaîne YouTube. Je voulais que ça reste quelque chose de pas de mystérieux, mais moi, que ce soit pas, que ça donne pas l'impression que ça appartienne à quelqu'un en particulier, parce que je vais m'expliquer. Parce que je vous fais cette vidéo pour parler de la chaîne Sneakerhead, tout simplement. Elle a été créée parce que j'en avais marre des vidéos américaines. Il y a beaucoup beaucoup de vidéos unboxing, vidéos new in, mais qui sont en français, en anglais pardon. Il n'y a pas de version française. Et moi justement j'en ai profité pour m'insérer sur ce créneau-là et en espérant capter un certain public. Au final je suis relativement content puisque j'en suis aujourd'hui à plus de 26 000 vues sur ma chaîne et 100, je crois 165 abonnés, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment énorme pour quelqu'un de normal comme vous et moi, qui fait sa vie comme une personne normale, qui fait des vidéos dans sa chambre. Ça représente quelque chose d'énorme et c'est, je vous remercie du fond du cœur parce que 26 000 vues, pour certains, ça va rien représenter. Moi, 26 000 vues pour 30 vidéos, ça représente quelque chose vraiment d'exceptionnel et je vous remercie. Donc oui, comme je voulais... Je vais revenir sur quelque chose sur lequel je ne me suis pas expliqué. Je vous avais dit dans une vidéo que je monétisais toutes mes vidéos maintenant. Ouais, je monétise toutes mes vidéos. J'en suis à aujourd'hui 3 dollars et quelques. C'est pas énorme, mais c'est déjà un début. Sachant que sur une vidéo, bah, celle d'Air Force où j'ai 6 000 vues, j'en ai que 1 000 sur 6 000 sans comptabilité. C'est celle qui m'a fait facilement la moitié des revenus. Donc. Si je l'avais monétisé plus tôt, bah j'en serais aujourd'hui à peut-être, je sais pas, une petite dizaine de dollars, je sais pas. Ouais, donc le but de monétiser toutes ces vidéos, c'est d'utiliser les sous uniquement pour la chaîne, c'est pas pour moi, c'est uniquement pour la chaîne. J'entends par là que là, toutes les vues que j'accumule, toutes les pubs que vous pouvez voir et comment dire, que vous supprimez, bah moi ça me fait gagner des fonds et ces fonds-là déjà une fois que j'aurai une somme suffisante et ben ça me permettra déjà d'acheter un nouveau matériel pour les vidéos et d'arrêter de filmer ma webcam qui en plus déjà commence à déconner. Donc voilà, donc je monétise ça pour la chaîne, c'est pour vous. L'argent qui sera dégagé des vues, ben, ça servira uniquement pour la chaîne, ce ne sera pas à des fins personnelles, ça je vous le garantis. Donc, prochain achat, je croise les doigts, ce sera une petite caméra. Je demande pas un truc de fou, je demande juste mieux que ma webcam, c'est déjà pas mal. Ouais, ce serait déjà un très très bon début, donc je compte vraiment sur vous. Je compte vraiment sur vous pour faire passer le mot pour continuer à partager mes vidéos comme certains le font à chaque fois qu'une sort. Ça c'est vraiment un truc de fou. Donc je compte sur vous pour partager mes vidéos, pour les regarder, pour les faire connaître à d'autres gens de votre entourage. Et je suis pas là à vous réclamer des sous, mais juste plus on est, mieux ce sera tout simplement. Non seulement de manière, comment dire, de manière matérielle, avec les supports mis en œuvre, le temps consacré sera déjà plus conséquent et même par rapport à vous, puisque vous intervenez beaucoup avec moi, mais vous pouvez intervenir entre abonnés, ça n'empêche rien.
Donc moi, ouais, pourquoi j'ai créé cette chaîne aussi? Excusez-moi, depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher mon chausson. Donc pourquoi j'ai créé cette chaîne? Tout simplement pour essayer de créer une espèce de communauté entre nous. Quelque chose qui serait sympa à la façon des youtubeurs de vidéo gaming. Bah pourquoi pas créer un, je sais pas, un groupe de fans de chaussures, tout simplement. Et moi, ce que je cherche, et non pas de la reconnaissance des gens, mais je me dis que si on arrive à faire un truc, un projet vraiment sympa, pourquoi pas faire des journées où on pourrait se rencontrer entre nous. Moi, je suis de la région parisienne, donc ça se limitera à Paris. Mais ça pourrait déjà être un bon début. On peut organiser vraiment beaucoup de choses. Ouais, moi, ce que je voulais faire, c'était ça. En créant cette chaîne, je voulais aussi à un moment chercher quelqu'un qui pouvait charger des montages de vidéos parce que moi je suis vraiment une buse. Donc déjà avant de recommencer, ce que je faisais c'était moi je trouve avec le recul je trouve pas ça terrible. Je sais qu'on m'a fait beaucoup de compliments mais ça se voit que c'est largement amateur. Moi j'aimerais bien un truc quelque chose de mieux. Comme une intro, j'avais essayé de faire un truc, mais du coup je l'abandonne parce que intégrer une intro à ma vidéo, intégrer des vidéos essayage, ça me prend beaucoup de temps et là avec mes études j'ai plus forcément le temps de... Déjà je galère à trouver 5 minutes pour faire une vidéo. Alors c'est pas en plus pour perdre 1h30, 2 heures à juste faire des montages, à ajuster le son avec l'image puisque j'enregistrais avec deux appareils différents. Donc à la limite, si des personnes sentent de m'aider dans ce projet-là et se portent garant pour faire des montages ou des plans pour moi, c'est très très bien, ce serait parfait. Déjà, je tiens à citer B-Boy Leto, qui s'est porté volontaire, qui m'a proposé une idée déjà dans un premier temps, qui est une très très bonne idée dont je n'y avais même pas pensé moi-même, mais j'aime beaucoup l'idée. C'est que sur beaucoup de sites, on peut voir des récapitulatifs mensuels où on sait, comment dire, où on liste toutes les paires qui vont sortir dans le mois, un espèce de condensé, un gros résumé. Il m'a soumis cette idée-là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le principe, sauf que je sais très bien que j'aurais pas le temps. Et mis à part le temps, je sais que j'aurais vraiment pas les moyens de faire ce genre de vidéo. Je saurais pas faire un beau montage pour mettre la paire en évidence, la paire que je parle, j'aurais pas les compétences en montage pour le faire. C'est pour ça que je lui ai demandé si lui ça l'intéressait pas de les faire et ensuite de les intégrer à ma chaîne. Je lui ai demandé de faire un test, il m'a dit qu'il le ferait, j'attends de voir. Mais ça peut être vraiment sympa si vous vous sentez aussi de participer à votre façon à ma chaîne, il n'y a pas de souci. Je pense notamment au fond blanc, on m'a dit que c'était bien. Je sais que certains aiment, je sais que certains préfère le fond blanc à ma chambre. Moi, je sais que je préfère ma chambre, mais j'en conviens que le fond blanc, ça fait plus pro, ça fait mieux tout simplement. En ce qui concerne la luminosité, parce que j'ai vu un commentaire sur la vidéo précédente, le blanc, ouais, c'est le fond blanc est plus lumineux, mais faut pas croire, c'est juste que les deux vidéos n'ont pas été filmées à la même heure tout simplement. Celle d'aujourd'hui a été tournée vers 18h, donc le soleil était déjà couché. Alors que celle, j'ai ma veste en jean, ça a été tournée en plein après-midi, donc le temps était clair, ce qui donne aussi cette impression de luminosité. Donc voilà, je saurais pas quoi vous dire, j'ai pas grand-chose à rajouter. Non, si vous vous sentez de m'aider pour quelconque raison, venez m'en parler, y a pas de souci. Mais moi j'ai vraiment beaucoup d'ambition pour cette chaîne parce que je vois comment elle a évolué en une année. J'avais plus de vues avant d'arrêter, mais ça je peux tout à fait comprendre. J'ai décidé de reprendre. Pour moi je trouve que j'ai des bons résultats. Pour moi à partir du moment où je sais que poster une vue ça va m'assurer 100 vues minimum, c'est que je sais que j'ai au moins 100 personnes derrière moi et qui apprécient mon travail. Donc c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Et ouais, j'espère mener mon projet à bien et créer une vraie communauté autour de ma chaîne YouTube pourquoi pas
On se retrouve entre abonnés, en participant à des événements. Moi, j'ai déjà fait des événements sur les sneakers, c'est pas un problème. Je sais pas quoi vous dire concrètement. Mais ouais, j'ai beaucoup d'ambition. J'espère pouvoir les mener à bien. Déjà, la motivation y est. Mais tout ce qui est résultat, ça dépendra que de vous. Donc c'est pour ça que je vous demande d'être à fond derrière pour ceux qui le veulent. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est le minimum, c'est juste mettre un petit j'aime, et un petit partage. Ça fera déjà 50% du travail. Moi, je me charge du reste. Je sais que des fois, je suis un peu long à faire des vidéos, mais c'est que moi, j'ai une vie à côté. Je peux pas me permettre tout le temps de faire des vidéos, déjà de par mes études. Mais je sais que si je vois que plus la chaîne prend d'ampleur, déjà, j'aurai forcément plus de temps à consacrer, mais moi, je serai déjà plus apte à en consacrer de moi-même et pas le faire par nécessité. Donc, j'ai décidé de vous parler de ça. J'espère que ça vous fait plaisir. Je vous montre ma vieille tronche, donc j'espère que ça, surtout, ça vous fait plaisir parce que je me sentais vraiment pas d'afficher ma tête sur YouTube. Bon, là, c'est chose faite. Je vous garantis pas que ça se reproduira, sauf pour d'autres vidéos de ce type-là. Mais dans les vidéos purement sneakers, non, je pense pas qu'il y aura ma tête. Mais bon, en tout cas, je vous remercie encore pour tout ce que vous avez fait. Donc, ouais, 26 000 vues. Je crois 165 abonnés si je me trompe pas, c'est quelque chose vraiment de fou. Je retrouve tout le temps les mêmes noms dans les commentaires, donc je sais qui sont vraiment derrière moi. Les noms reviennent tout le temps, sont tout le temps les mêmes. Ceux sur Facebook, ceux qui m'ont ajouté, qui sont venus me parler, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Et je sais qu'il y a, pour éviter de décevoir certaines personnes, je sais qu'il y a une personne qui m'a envoyé un message sur Facebook. C'est pas que je veux pas te répondre, gros, mais c'est juste que, je sais pas, il y a un problème par rapport à tes paramètres, je peux pas t'envoyer de réponse. Et sur YouTube, c'est pareil, ceux qui m'envoient des commentaires et qui voient que je réponds à tout le monde, sauf à eux, bah c'est juste que je sais pas pourquoi, mais quand je vois votre commentaire, il y a tout simplement pas l'icône répondre, donc je peux pas vous répondre, j'ai aucun moyen de vous citer. Donc c'est pas que je veux pas, c'est juste que je peux pas. Donc voilà, cette vidéo a été tournée le même jour que la comparaison pour les Jordan Retro 4. Je vais voir si je la poste aujourd'hui, mais en tout cas je l'aurai en stock. Je vais voir si je la poste aujourd'hui. Mais bon, voilà, moi je vous remercie pour tout et bah au plaisir de continuer avec vous. Hein.